Les syndicats se sont mobilisés contre le plan d'austérité du gouvernement à Lille, comme à Paris et dans d'autres villes de France. Des manifestations ont lieu dans les rues. Chez nous, le cortège est parti depuis la Grand Place pour rejoindre la place de la République. Les manifestants demandent une meilleure répartition des richesses. Ils réclament également des mesures pour le pouvoir d'achat et l'emploi. Le mouvement a été peu suivi aussi bien dans l'éducation nationale que dans les transports, puisque la SNCF et Transpol ont été peu perturbés. Salariés du public, du privé, retraités et demandeurs d'emploi ont été appelés à manifester dans les rues de Lille. Environ 2000 personnes ont ainsi défilé. Les étudiants étaient aussi au rendez-vous. Pour eux, l'avenir se joue aujourd'hui dans la rue. Écoutez cet élève du lycée Montebello qu'a rencontré Élodie Bernachon. Chaque mouvement doit se montrer présent pour montrer que les lycéens sont engagés aussi, qu'on est peut-être jeune, on n'a peut-être pas encore le droit de vote, mais on a quand même des opinions à défendre. Et on pense que c'est vraiment important de montrer qu'on est là, qu'on est mobilisé et qu'on n'est pas forcément avec exactement avec le mouvement qui se crée, mais montrer que nous aussi on a des revendications, même si elles ne sont pas exactement les mêmes, de montrer qu'on est là. Quoi, que, on pense que pour nous que c'est vraiment important.